Je vous propose de faire ensemble un voyage. Un voyage rapide, mais lointain. Un voyage dans le futur. Allons sur Mars, la planète rouge. Nous sommes en 2050. Nous avons parcouru 500 millions de kilomètres. Nous sommes confortablement installés dans un village martien. 500 millions de kilomètres, c'est environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Quand un terrien nous envoie un message, nous devons attendre 10 minutes pour qu'il nous parvienne. C'est pas facile de communiquer. La gravité est de 3,8 G. Nous pesons donc environ 40% de notre poids sur Terre. C'est particulier, mais plutôt amusant. Mais il y a moins agréable. L'atmosphère est peu attractive. La pression est de 6 millibars, soit une atmosphère d'environ 150 fois moins dense que sur Terre. Mais surtout, sa composition, avec 96% de CO2, le gaz carbonique, n'est pas respirable du tout. Alors, il vaut mieux être bien couvert et avoir son générateur d'oxygène. Pour faire du jardin, rien n'est simple. Le Soleil, beaucoup plus lointain, ne nous apporte que 35 à 50% de l'énergie reçue sur Terre. La température y varie donc entre moins 3 à moins 130 degrés. Moins 130 degrés. Même les Canadiens, ils trouvent ça froid. Les vents, les tempêtes de poussière sont permanents. Les rayonnements solaires, les rayons cosmiques ne sont arrêtés ni par l'atmosphère, ni par le champ magnétique absent. Alors, un conseil, ne sortez pas de cette salle. Néanmoins, aujourd'hui, Mars est devenu la banlieue de la Terre. Et si nous pouvons, aujourd'hui, passer quelque temps en toute sécurité et confort sur cette planète, c'est grâce à des missions pionnières qui ont fait progresser à pas de géant notre connaissance sur cette planète. Rappelez-vous, c'était le 14 mars 2016. Une mission spatiale nommée ExoMars débutait par le lancement d'une fusée Proton depuis Baïkonour au Kazakhstan. Objectif, conquérir ce nouvel horizon et y poser la première sonde européenne nommée Schiaparelli. Ce jour-là, la tension était maximale pour les ingénieurs et les scientifiques du projet. Ils avaient l'ambition d'innover, d'être ceux qui allaient faire progresser notre connaissance. Leur rêve, depuis 10, 15 ans, de poser leur bébé si loin, après tant d'efforts, devenait réalité. Des années de travail, des mois de vérification, des semaines de préparation au Kazakhstan, puis le décollage. La longue attente pour être mis sur la bonne route. The rocket safely skyward, the relief is clear. La réception des signaux de ce nouveau-né de l'espace qui nous indiquait sa bonne santé. Des moments forts en émotion. On cherchait alors s'il y avait des traces de vie sur Mars. Avec ses instruments scientifiques, notre satellite Renifleur allait analyser l'atmosphère de Mars. La question centrale de la présence de méthane sur Mars allait trouver sa réponse. Le méthane est un indicateur de vie biologique potentielle. Un détecteur de neutrons allait nous indiquer si et où de l'eau se trouvait dans le sol de Mars. Des images stéréo allaient nous fournir plus de détails sur le paysage de Mars. Mais surtout, cette mission allait préparer l'arrivée d'un véhicule mobile, un rover, qui a quitté la Terre en 2018. Il y a fort longtemps, Mars et la Terre étaient semblables, avec d'immenses océans liquides à leur surface. L'environnement et les processus chimiques étaient semblables,
comme sur deux planètes jumelles. Puis Mars fut l'objet d'un terrible changement climatique, il y a 3,5 milliards d'années. À partir de ce moment-là, Mars est devenue aride, stérile, froide, hostile. À sa surface, en tout cas. Les rayonnements solaires et l'atmosphère ténue interdisaient toute forme de vie à la surface. Les rayonnements cosmiques ont haché menu les éventuelles molécules organiques. Mais qu'en est-il en profondeur à l'abri de ces agressions? Une nouvelle mission allait percer ce secret. Mais se poser sur Mars était alors périlleux. Entrer dans l'atmosphère à 21 000 km/h et à 120 km d'altitude, le bouclier thermique atteint 1500 degrés. Les parachutes s'ouvrent à 1700 km/h et freinent la sonde à 250 km/h à environ 1 km d'altitude. Puis, les rétrofusées terminent la descente qui n'aura pas duré plus de 6 minutes. Ensuite, notre véhicule se déploie. Puis, il va entamer son périple sur le sol de Mars. Ce véhicule est muni d'une perceuse capable d'atteindre 2 mètres de profondeur. Grâce à son laboratoire embarqué, il va analyser les roches et les sédiments extraits et nous allions enfin, pour la première fois, avoir une réponse à cette question fondamentale. La vie est-elle ou a-t-elle été présente ailleurs que sur Terre? Alors, quel regard pouvons-nous porter sur notre Terre en 2050? La conquête de Mars a été un immense défi pour les scientifiques et les ingénieurs. L'analyse de l'atmosphère de Mars nous a permis de progresser dans notre compréhension des phénomènes et du climat sur Terre. La conquête de Mars nous a permis de progresser dans nos techniques de gestion et de traitement de l'eau, de retraitement des déchets. Mais surtout, l'esprit de conquête et d'exploration partagé par tous les acteurs a permis de contribuer à un monde plus fraternel, plus solidaire et donc plus pacifique. Au fait, faites attention, ne vous perdez pas parce que vous avez peut-être déjà vu que si vous restez seul sur Mars, la situation va être délicate à gérer. Alors, après ce court séjour martien, je vous propose de rentrer sur Terre, en France, à Cannes, fin avril 2016.